Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle fleur au crochet. Là, personnellement, au début, je voulais en faire une fleur. Donc, vous pouvez en faire une fleur pour mettre sur des tapis, pour mettre sur des sacs à main, sur des chemins de table. Mais quand ma petite fille l'a vue, ben, elle a voulu en faire une pince à cheveux. Donc, finalement, j'ai réalisé la fleur que je vais vous montrer, mais pour en faire une jolie pince pour ses cheveux. Vous pouvez en faire ce que vous désirez, puisque moi, de base, c'était surtout pour mettre sur des chemins de table. Mais elle a voulu ça, donc c'est ce qu'elle a eu. Donc pour ça, vous aurez besoin, pour réaliser cette fleur en tout cas. Moi, j'ai pris du coton, donc je vais reprendre le même. Du coton 3 de fil d'art. Vous prenez ce que vous voulez comme coton ou de la laine. Plus vous prenez quelque chose de gros, plus votre fleur sera grosse. Plus votre coton sera fin, plus votre fleur sera petite. Si vous désirez en faire une pince à cheveux également, donc vous aurez besoin d'un de ces petites pinces qu'on achète dans les magasins de loisirs créatifs, c'est là où j'ai acheté la mienne. Vous aurez également besoin de colle. Donc ici, je vous montre celle que j'utilise tout le temps. Parce qu'ici, finalement, sur le mien, je l'ai simplement collée. Et voilà, c'est à peu près tout. Vous aurez besoin que de ça pour réaliser cette fleur ou cette très belle pince à cheveux. Alors, on va déjà commencer par réaliser le nœud de base. On va positionner notre fil dans ce sens-là, le passer autour de notre doigt, sortir un petit peu la boucle, passer notre fil sous notre boucle. Et avec le crochet, on vient le chercher. J'ai oublié de préciser, j'utilise le crochet numéro 3, ce qui va avec le coton que j'utilise. Alors ensuite, je vais vous montrer le principe est vraiment très simple. On va faire à peu près 12 pétales de la même façon. Ensuite, on va en faire 18 d'une autre. Et ensuite, on va faire 24 pétales d'une autre façon. Vous pouvez faire plus de pétales dès le départ. Donc, vous pouvez tout changer également. Alors, pour commencer, on va commencer par faire 11 mailles chaînettes. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles chaînettes. Vous allez passer la première maille qui se trouve juste sous le crochet, vous allez dans la deuxième. Dans la deuxième, vous allez faire une maille serrée. Dans la maille suivante, vous faites d'abord un jeté, vous allez donc dans la maille suivante et vous faites une demi-bride. Ensuite, vous faites un jeté, dans la maille suivante, vous faites une bride. Un jeté, dans la maille suivante, vous refaites une bride. Un jeté dans la suivante également une bride. Un jeté également une bride. Un nouveau jeté dans la suivante de nouveau une bride. Dans la suivante de nouveau une bride. Là, je suis arrivée donc en bride jusqu'aux deux. Jusqu'à l'avant-dernière. Alors dans l'avant-dernière, vous faites un jeté, vous entrez dans l'avant-dernière et vous faites une demi-bride. Et dans la dernière maille qui nous reste, donc la première de départ, on fait une simple maille serrée. On a commencé avec une maille serrée et une demi-bride, on finit avec une demi-bride et une maille serrée. Donc là, on a fini la première pétale. C'est pour ça que je prends le temps de vous montrer parce qu'elle est vraiment très rapide et très simple à faire, donc je vais pas vous la faire aussi grande que celle-là, je vais vous la faire plus petite, parce que le principe est le même. Quand on a fini la première pétale, on va refaire 11 mailles chaînettes, comme on a fait au départ. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles chaînettes à nouveau. Vous passez toujours la première qui se trouve sous le crochet, vous entrez dans la deuxième. Vous entrez dans la deuxième maille, vous ramenez votre fil, vous faites une maille serrée.
Vous faites un jeté. Vous allez dans la maille suivante. Vous faites une demi-bride. Un jeté. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une nouvelle bride. Donc, dans la suivante, une bride. Dans la suivante, à nouveau, une bride. Dans la suivante, également une bride. Donc là, à nouveau, on est... Je vais essayer de vous montrer ici. Il nous en reste deux. Donc, l'avant-dernière, on va faire une demi-bride. Et dans la dernière, on fait une bride. Donc, on a déjà deux pétales. Essayez de vous montrer comme si deux pétales qu'on a entamés avec 11 mailles chaînettes. À nouveau, je vais recommencer. Là, j'enlève ça. À nouveau, je vais refaire 11 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De nouveau, vous passez la première. Vous allez dans la deuxième. Vous faites une maille serrée. Un jeté. Dans la maille suivante, vous faites une demi-bride. Un jeté. Dans les mailles suivantes, jusqu'aux deux, jusqu'à l'avant-dernière, vous allez faire des brides. Une bride dans chaque maille chaînette jusqu'à l'avant-dernière. Donc là, j'accélère juste un petit peu parce que je vous ai déjà bien montré. Voilà, hop. Ben non. Donc ici à nouveau, je suis dans l'avant-dernière. Dans l'avant-dernière, vous faites une demi-bride. Dans la dernière, vous faites une maille serrée. Donc ici, on a fait 3 pétales avec 11 mailles. Attendez, je vais juste déplacer ça. Pardon. Ici, on a fait donc 3 pétales avec au départ 11 mailles chaînettes. Pour réaliser cette taille-là, vous devez faire au total 12 pétales. 12 pétales avec 11 mailles chaînettes à la deuxième maille serrée, ensuite demi-bride, ensuite bride, une bride dans chaque maille chaînette jusqu'à l'avant-dernière. Dans l'avant-dernière, vous faites une demi-bride et dans la dernière, vous faites une maille serrée. Et vous faites ce même procédé pour obtenir la même taille que celle-là sur 12 pétales. Moi, comme je vous ai dit, je ne vais pas le faire sur 12 pétales puisque ma fille a déjà celle-là, donc elle n'en veut pas une deuxième. Alors, je vais faire sur 4 ou 5, c'est juste un petit échantillon, mais logiquement vous faites sur 12 pétales. Vous voulez plus grand, vous faites sur plus de pétales. Ça change absolument rien, ce sera juste la taille de votre fleur qui sera plus grande, puisqu'ensuite on va refaire des pétales mais avec plus de mailles chaînettes. Alors je vous laisse faire environ 12 fois ce même procédé à avoir 12 pétales. Alors, quand vous avez vos 12 pétales avec les 11 mailles chaînettes, moi j'en ai fait que 5, comme je vous ai dit, je vais faire plus petit juste pour vous montrer à vous. Mais sur celle-là, donc sur cette taille-ci, j'ai fait exactement 12 pétales avec 11 mailles chaînettes. Donc, ensuite, quand vous avez vos 12 pétales plus ou moins à vous de voir, on va faire 13 mailles chaînettes. 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles chaînettes. De nouveau, vous passez la première, vous allez dans la deuxième, vous faites une maille serrée. Vous faites un jeté, vous allez dans la prochaine, vous faites une demi-bride, ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent. Là, vous allez simplement faire une bride dans chaque maille chaînette jusqu'à l'avant-dernière. Où vous avez déjà, je suis sûre, compris qu'à l'avant-dernière, on va refaire une demi-bride et dans la dernière, une maille serrée. La seule chose qui change, c'est qu'on a rajouté 2 mailles chaînettes de plus, tout simplement. Donc la pétale sera un peu plus grande. Et si vous voulez changer de couleur,
ce qui est tout à fait possible. C'est vrai qu'après avoir fait les premières pétales d'une couleur, vous pouvez faire le deuxième d'une autre et les troisièmes pétales qui vont arriver d'une autre. Donc là. Alors là, je suis dans l'avant-dernière, je fais une demi-bride. Et dans la dernière, je fais une maille serrée. À nouveau, je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles chaînettes. Je passe la première qui se trouve juste sous le crochet. Je vais dans la deuxième. Je fais une maille serrée. Dans la suivante, je fais une demi-bride. De nouveau, je vais faire bride, une bride dans chaque maille chaînette jusqu'à l'avant-dernière. Donc, je vous remontre à nouveau tranquillement. Donc, une bride dans chaque maille chaînette jusqu'à l'avant-dernière. Voilà, donc à l'avant-dernière, vous faites une demi-bride et dans la dernière, une maille serrée. Donc ici, j'ai fait deux pétales déjà avec 13 mailles chaînettes de base. Pour ce modèle, donc je vous montre bien qu'il est bien ici, pour ce modèle, j'ai fait au total 18 pétales. Au total, j'ai fait 18 pétales avec 13 mailles en l'air et le même principe. Donc pour les 11 mailles en l'air, j'ai fait 12 pétales. Pour les 13 mailles, ici 13 mailles en l'air, j'ai fait 18 pétales de cette façon-là. Donc là, je vais en faire une ou deux de plus parce que de toute façon, je n'aurai pas assez de fil pour faire la totalité. Donc je vais faire une ou deux de plus et on se retrouve pour la troisième rangée de pétales qui va également changer. Alors quand vous avez fait vos 18 pétales avec les 13 mailles, les 13 mailles chaînettes de départ, donc moi j'en ai refait 5 simplement. Donc quand vous avez fait les 12, vous pouvez en faire bien plus, hein, ça ne change rien. Vous pouvez même au lieu de faire 11 de départ ici, vous pouvez en faire 16, 17 en respectant le même procédé après. Simplement ensuite quand vous changez les pétales, vous rajoutez 2 mailles chaînettes de plus et ainsi de suite. Vous pouvez vraiment changer votre fleur comme bon vous semble. Donc on va se baser sur celle que j'ai déjà fait, c'est plus simple. Après avoir fait donc vos 18 pétales de la même façon avec les 13 mailles chaînettes, on va attaquer les dernières pétales. Les dernières pétales, on va les faire avec 15 mailles chaînettes. Donc à chaque fois, je rajoute 2 mailles chaînettes de plus. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 mailles chaînettes. De nouveau, comme on l'a fait jusqu'à présent, vous passez la première, vous allez dans la deuxième et vous faites une maille serrée. Un jeté, vous allez dans la suivante, vous faites une demi-bride et rien qui change. Ensuite, vous allez avancer en bride, une bride dans chaque maille chaînette, jusqu'à l'avant-dernière. Donc, quand on est à l'avant-dernière, comme on l'a fait jusqu'à présent, on va faire dans l'avant-dernière une demi-bride et dans la dernière une maille serrée. À nouveau, vous reprenez 15 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À nouveau, vous passez la première, vous allez dans la deuxième avec une maille serrée. Un jeté dans la suivante avec une demi-bride. Dans les prochaines avec des brides.
jusqu'à l'avant-dernière à nouveau. Donc, dans l'avant-dernière, à nouveau, vous faites une demi-bride. Et dans la dernière, de nouveau, une maille serrée. Vous allez répéter donc ce même procédé avec les 15 mailles chaînettes. Moi, sur celle-là, j'ai répété ce procédé 24 fois. Donc, pour celle-là, j'ai fait 24 pétales avec 15 mailles serrées. Vous aurez compris que pour mon échantillon, je ne vais pas en faire autant, puisque comme je vous montrais, j'ai plus assez de fil, ne serait-ce que pour faire... En tout cas, je ne pourrais pas faire grand-chose avec. Donc, je vais en faire encore quelques-unes de plus. Vous faites autant que vous voulez. Plus vous faites de pétales avec des nombres de mailles chaînettes différents, plus votre fleur sera et grosse. Donc, moi, pour celle-là, pour celle de ma fille, j'ai fait 24 fois le même procédé. J'ai fait 24 pétales des 15 mailles en l'air. Je vous laisse faire les vôtres. Je vais en faire une ou deux de plus. On se retrouve après. Alors, quand vous avez fait... vos 24 pétales avec 15 mailles chaînettes. Vous allez donc faire votre maille serrée. Pardon. Vous allez couper votre fil comme je l'ai déjà fait. Ensuite, faire une maille en l'air de plus. Tirer dessus pour faire votre nœud. Ensuite, on va simplement la cacher. Cacher notre fil à l'intérieur. Comme ceci. On va le passer à travers nos mailles. Voilà. Vous allez couper. Du côté du départ où on avait commencé, on va faire pareil. Là, je le fais plus de cette façon-là au lieu de le cacher vraiment comme on fait d'habitude avec l'aiguille à coudre. Parce que comme ensuite on va mettre de la colle, ça va tout, ça ne se verra plus. Donc le fil de départ, je fais pareil. Je le passe une fois, deux fois, le nombre de fois nécessaire pour qu'il soit bien tenu. Quand c'est bon, je coupe. Alors avant de mettre la colle, on va faire encore une dernière petite chose. Donc le mien, comme je vous ai dit, ce n'est pas, j'ai pas fait le bon nombre de pétales. Voilà. Vous ici, vous devez avoir beaucoup plus grand que moi. Donc vous devez avoir à peu près, si vous avez suivi les mêmes choses que j'ai fait pour celui de ma fille, vous devez avoir avec 11 mailles en l'air, 12 pétales. Ensuite, avec les 13 mailles en l'air, à peu près 18 pétales. Et avec les 15 mailles en l'air, 24 pétales. Ensuite, vous allez prendre une aiguille à coudre que j'ai oublié de préparer. Vous allez prendre le fil de la même couleur que vous avez au départ et couper une petite longueur en fonction de ce que vous avez fait. Ensuite, on va simplement, du côté du départ, donc des 11 mailles chaînettes, donc le côté des pétales les plus petites, vous allez simplement, c'est pas, vous entrez dans la première, ici, dans le coin. Moi, personnellement, comme j'ai déjà fait pour le premier, je vais simplement faire un nœud, puisqu'après, il va être collé avec la colle, donc on verra pas forcément s'il y a une embrouille. Voilà. Je vais en faire peut-être un deuxième au cas où. Voilà. Ensuite, donc, je coupe juste la pointe. Maintenant, sur toutes vos pétales, vous allez faire la même chose. Donc ici, on est entré de ce côté-là. Maintenant, vous allez sortir. Donc on est sur la première pétale.
juste en face, dans la maille en face, et vous allez vous accrocher, repiquer dans la nouvelle pétale pour ressortir de l'autre côté de la nouvelle pétale et ainsi de suite. C'est juste pour les tenir, il n'y a pas besoin de tirer dessus, hein. C'est juste pour vraiment bien les fixer entre elles. Donc vous faites que ce principe. Le nom sur toutes les pétales que vous avez fait. Oui, je ne tire absolument pas du tout dessus, c'est vraiment juste pour vraiment les tenir entre elles. Donc vous allez le faire sur toutes vos pétales à vous. Moi, les miennes, je n'en ai pas beaucoup, donc ça risque d'aller plus vite. Donc là, je suis arrivée à la dernière. Voilà, comme ça. C'était simplement pour vraiment les tenir entre elles. On peut tirer un peu si vous voulez pour mieux les rapprocher, mais il n'y a pas spécialement besoin. Donc quand vous avez fait, vous les avez toutes bien unies, peut-être tirer un petit peu dessus. On fait juste un nœud pour fixer tout ça. Et là, je vais simplement, c'est cacher mon fil avant de le couper. Non, pardon, je vous dis une grosse bêtise. Je viens de le remarquer. Alors non, finalement, j'ai fait mon nœud, oui, mais je vais récupérer mon fil parce qu'on va en avoir besoin. Désolée, mais c'est parfois... Donc j'ai fait le nœud, c'est bon, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, vous ne cachez pas votre fil et vous ne le coupez surtout pas parce qu'on va en avoir besoin. Hop, ça, c'est ce que j'avais caché, voilà. Donc là, vous le gardez bien, votre fil. Désolée, il y a des moments comme ça. Donc voilà, donc après avoir fait tout ça, on va simplement mettre nos pétales, positionner nos pétales le plus droit possible. Ensuite, on va simplement prendre notre colle. Voilà. Et là, on va simplement, j'essaie de mettre droite encore. Alors, désolée pour les coupures, mais j'ai de plus en plus de soucis avec mon téléphone avec lequel je filme, donc il coupe plus souvent. Donc, vous prenez votre colle. On va juste passer un fil de colle sur le bas de votre fleur, de la fleur. Donc là, vous mettez juste un fil de colle sur tout le bas de la fleur. La mienne est petite, donc la vôtre doit être bien plus grande. Hein. Comme ça. Quand vous avez bien... mis de la colle sur tout le bas. Déjà, je vais retirer ce petit fil. On va prendre le côté de départ, donc des 11 mailles chaînettes. On va simplement l'enrouler. On va enrouler notre fleur, toutes nos pétales ensemble. Encore, voilà. Ensuite, moi, personnellement, je les mets bien droites, même si je m'en mets partout sur les mains, pour que ce soit bien plat ici de ce côté. Comme ça, vous pouvez également le poser sur un chemin de table, un tapis, un sac à main. Donc, quand vous avez bien enroulé votre fleur, vous allez simplement reprendre votre fil. Voilà. Et là, on va pour être plus sûr que ça tienne, vous allez simplement coudre en attrapant tout les fils ensemble, donc tous les, vous passez bien d'un côté à l'autre. Voilà, comme ceci. Et vous faites ça un nombre de fois suffisant pour bien prendre tous les côtés. Qu'il soit bien tenu, même si la colle déjà rien qu'à elle toute seule, en tout cas la mienne, sûre, elle tient super bien, il n'y aurait même pas besoin de ça, mais
préfère. Une sécurité de plus. Désolée. Voilà, moi je pense que le mien là doit être bien tenu. Ah oui, comme ça. Donc le mien fait petit, le nouveau que je viens de vous faire fait petit par rapport à celui que vous, vous devez avoir actuellement. Donc dès que vous avez bien tout cousu ensemble, je vais peut-être refaire encore un coup ou deux pour être sûr. Voilà. Vous allez simplement donc faire un nœud. Vous allez passer votre aiguille, tirer à moitié, passer. Moi personnellement là, je passe dans l'espace entre les deux, je tire. Ça me fait déjà mon nœud et je vais le refaire une dernière fois. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à couper. Là, vous pouvez déplier gentiment votre fleur. Qui logiquement doit être un peu plus jolie que celle que je viens de vous faire. Là. Maintenant, il nous reste encore une seule chose à coller et ce sera bon. Là. Alors donc, quand vous avez votre fleur terminée, c'est où vous la collez ou vous la cousez sur votre travail, donc sac à main, chemin de table, tapis ou autre. Ou alors, si vous voulez en faire une pince à cheveux comme moi j'ai fait pour ma fille. Donc là, je ne vais pas le faire, je vais vous le montrer puisque je ne vais pas... Celui-là, ça ne lui ira pas. Donc moi, sur celui-là personnellement. Donc j'ai pris ici ma pince. Je l'ai simplement... J'ai mis de la colle sur tout le bas de la pince. J'en ai mis de partout. Ensuite, donc, je l'ai collé à l'arrière de ma fleur. Et pour que ça tienne, puisque si on le pose comme ça, ça ne tient pas. Il faut voir les choses comme elles sont, voilà. Ça ne tiendra pas. Voilà, comme ceci. Donc moi, ce que je fais personnellement, c'est que je prends des pinces à linge, voilà. Cherchez le mot, des pinces à linge. Ici, personnellement, donc, j'ai pris des pinces à linge. J'ai mis une pince à linge de ce côté. Une pince à linge de ce côté-là et une pince à linge ici au milieu. Et j'ai laissé toute la nuit. Vous n'avez pas besoin de laisser toute la nuit. Moi, c'est juste, je préfère laisser plus longtemps. Donc, j'ai laissé toute la nuit les trois pinces, comme ceci. Et ensuite, donc dès qu'elle est collée, vous n'avez plus qu'à bien remettre vos petites pétales bien droits dans le bon sens. Vous vous retrouvez avec une superbe pince à cheveux. Qui est vraiment très original, personnalisable, ou alors avec une très belle fleur que vous pouvez mettre sur un sac à main, accroché où bon vous semble et vous fera plaisir. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.